ton oncle il a la plata, il va rapporter l'enveloppe et tu vas survivre. S'il ne rapporte pas d'enveloppe, tu es mort. Comprendo ou non? Pour toutes tes affaires, mets dans le sac. Allez, vamos. La deuxième fois, c'est la fois où on la retrouve à la plage. Et la première fois, je sais pas. Je sais juste que j'ai vu dans les dossiers médicaux qu'elle avait été admise à l'hôpital pour une overdose. Moi, hermano, moi, je crois en l'honneur de mon oncle, porque Tueto, c'est mon oncle. Et moi, il m'a dit qu'il avait fait semblant de balançar, mais que c'était pas vrai. Ah non, non, non. Mais il me l'a dit, Tueto, à moi. Mais là, c'est les mélodies, toi. Va là-bas. Allez, va avec eux. Ok. Allez, bouge pas. Non, referme pas là-bas. Par contre, Yaro, je vais te dire maintenant, tu prends l'acier, je ne te livre plus jamais d'acier compacté de ta vie. L'acier tout court. Ce n'est pas grave, on a trouvé notre solution. Viens avec Yahweh, moi, viens avec Yahweh. Voilà. Oh là là, à plus, oh Dieu, c'est un plaisir. Oh. Ça va être la voiture Bobby. Allô? Allô? Ouais, il y a moyen aussi que tu mettes écoutez, la Sultan. Les boîtes, c'est. La Sultan et la Sogoy, on va se faire. Les autres, ils ont la boîte. Ouais, c'est 500. Bah ouais. Non, c'est 400. Non. Okay, les gars, bah vas-y, mais ça moi, fait 18 800. Vas-y, parfait. Celui qui a la cam, il monte avec. 18 800. Y'a si monte avec, y'a Chet monte avec moi dans la salle. Avec 4 ça fait, attends, je calcule. Chet, bon, ça fait, et vous, la couronne, ça fait 19 600. Oui, bien sûr. Parfait, bah c'est bon, 19 600 par contre. Ça nickel. Vas-y, à tous, bisous. Vas-y, à plus. Rajoute 4 boîtes de nuit. Ah, 4, ok. Ça fait 19 600. Ça va nous faire le queue, là, ça va nous faire le queue. Ah oui. Ouais, ça va ou quoi, y'a putain, tu réponds vite, bâtard. Ah, c'est qui? C'est 7, t'as toujours pas enregistré mon numéro? Ah oui, maman, je voulais parler à 6. Yao, ouais, mais moi, pour moi, ils vont nous faire le cul, ouais. Yao, derrière, c'est bon, la dernière voiture, elle est vraiment. Descends. Ouais, j'ai oublié un truc. Romain, tu mets 5. Comme ils voulaient appeler pour discuter, là, ils font une commande de calibre, de munitions. Faut mettre que 4 là, c'est 4 au max. C'est bizarre. Ok, bah vas-y, c'est 4. Ah, bon. Mais ouais, je t'en fais une conve, fils de pute, j'ai entendu ça comment. Ah merde, raconte, enculé, c'est où la pose? C'est où la pose du chien? Ta mère, t'entends pas. Mais ouais, si ça t'entends pas, t'entends pas, la tête m'a mastiqué. Wesh, on est sur Messenger, fils de pute. Quoi? Allez, dis ta mère, allez. Ah ouais, rendez-vous très bien. Parce que c'est un peu risqué, y'a plus de conve là, c'est bon. Normalement, j'espère. Ok, parce que là j'ai. Il y a plus de coups normalement. Faites foraine tout au fond. Vas-y, ça marche. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Ah, c'est bon, ils arrivent. T'as entendu, Popo? T'as dit quoi, là? Non, j'ai dit, tu m'as entendu, Frank Popo? Ouais, c'est entendu. Ils arrivent. Ce que t'as dit. Ah, bah oui, ça s'entend de ça, oui. Ils sont capables ou t'es pas capable? Être, j'ai pas appris, Néo? Oui, voilà. Je sais, mais moi, je suis pas encore faite. Laissez-moi apprendre avec vous, on fait des entraînements et tout. Il y a du mouvement, on a vu une mule carrée avec un rebla carré derrière. C'est quelle couleur le rebla? On a gris, je crois, mais on ne s'est pas rapproché. On va essayer de passer à côté. Vas-y. Il y a un rebla avec une mule carrée pas loin. Je sais jamais si il y a un plan contre nous. Et ça va quoi l'équipe? Ça va bien quoi? Ah, tranquille la jeunesse. Yeah. Tranquillement. Et du coup, Frank Popo, tonton, c'est lui le nouveau patron des chaînes. Ouais, c'est moi. Ah ouais. Enchanté, du chaîne. Et là, c'est un gars de chez vous, le mec là-bas derrière là? Non, avec c'est pas meilleur. Du tout chez nous, ça. Nio, va voir. Où ça, Yad? Ah non, c'est carrément pas chez nous. Et du coup, on va se dépêcher alors, les mecs. Ouais, on va se dépêcher. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous voir parce que Malcolm, on ne voyait pas beaucoup, je vais pas vous mentir. Hein. Malcolm, je vais pas vous mentir, on fera notre rendez-vous un peu plus tard pour vous expliquer par rapport au propos de Malcolm parce que là, il y a des gens qui nous ont vus. Mais c'est compliqué. Grosse palette, bonne coupure. Et du coup, je vais vous annoncer maintenant, Malcolm il est décédé. Ah ouais? Et du coup, je vous explique vite fait, il a ça pue de fou. Des problèmes psychologiques. Et. Et du coup, il nous avait dit si. En fait, il avait comme une double personnalité, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Okay, et le problème, c'est que ça nuisait au business, ça nuisait aux petits du quartier, ça nuisait aux familles. Du coup, on a dit que quand, si ça reprenait le dessus, ce qui arrivait malheureusement, il y a deux jours, on devait le fumer. Et du coup, maintenant, c'est moi qui ai repris les rênes. Voilà. Merci, merci infiniment. T'as la même voix que Tech. Ça fait plaisir. On espère que le business va se relancer de votre côté. Parce que, comme je disais, ça n'était pas clair, mais non. Pour nous, c'était pas un partenaire commercial. Bien en forme, bien sûr, ça tournait pas énormément avec Malcolm. Donc... Et nous, on va petit à petit avec le temps se tourner vers des charbonneurs. Moi, je m'en fous de Fortnite, c'est pour ça, frère. Bien sûr, comme on avait dit au début. Hein, un million YouTube, il peut même faire 15 millions. Il rapporte de plus d'argent, plus de bénéfices, il sera... Et moi, je regarde pas Fortnite, hein. Mais là, que si on ne te voit pas venir vers nous, c'est que du coup, nous, on comprend que c'est que tu bosses ailleurs. Et ça peut nous poser problème, quoi. Tout à fait, frère. Bien sûr. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez quelconque mission ou quoi que ce soit. Oh là là, mais y'a qui dans cette voiture? Oh voilà, c'est grave, on fait de la fête foraine, tu trouves pas quoi? De connaissance, je vous avoue que. Oh, ils me rend fou quand ils sont endormis comme ça. Vous avez un nouveau leader. Oh là, quand ils sont endormis comme ça, ça me rend fou. Ça me rend fou, frère. Des mecs là. Mais Sam, y'a quoi, tu comprends pas? C'est pas moi, je conduis, c'est pas moi, je conduis, c'est pas moi, c'est pas moi, je conduis. Y'a quoi de plus clair? Ah mais en deux secondes, je leur ai dit, allez, il y en a qui seraient, regarde le ponton, non? Oh, tiens, toi, j'ai eu. Tiens, mais Crusoe, c'est 20 000 dollars sur moi. Ah ouais? Ah oui, c'est la transaction. Ça tombe bien, on vient de me dire que je dois 13 000 dollars pour voiture. Ah oui? Ouais, j'avais acheté voiture en deux fois. Mais faut que je vois avocat. Ça marche. Ah oui? Après, dès que t'as fini de leur donner leur marchandise, viens avec moi, je te parle. Vas-y. Parfait, nickel. Parfait, bien. Parfait. Super. Bah écoutez, ouais, au plaisir. Va à la maison. Ouais. Va à la maison, tu regardes, il y a combien de potions de cocaïne? Normalement, il y en a 60. Prends-les, si tu peux, avec une personne. Et tu les gardes sur toi. On va enseigner comme ça, après on peut faire ce qu'on doit faire. Vas-y. Aïe! Où nous ça? Je vais en chercher une deuxième! Vas-y, on est mon Vous faites quoi ici, les mecs? Pas lui, frère. Ah, yo! On est en mission, c'est la D! C'est une galère, mon gars! On aura du retard, mon grand! Oui, mais ça arrive pas, vous allez monter sur le ponton! Mais c'est la D! Non, mais on veut récupérer notre voiture, mon gars! Allô, ta voiture? Ah! En dessous de toi! Ah, ouais! Mais force, ma gueule, force! Aïe! Les cops nous ont aidé, ils ont fait tomber leur voiture dans l'eau. Mais non, c'est fait exprès. Oh non, l'équipe. Ah, t'as fait exprès. Il a fait exprès, 0,5 pour ça. Ah, ramasse, c'était une strat. Ah, il vient de tremplin, il va en mettre une deuxième là. Attends, mon cousin. Ah, c'est un champion. Mon cousin, il arrive avec une grue. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, bande de merde. Bande de merde. Évidemment, c'est pas vrai. Non, c'est comme ça, je me suis fait. Oula, ça a baissé. Oula, ma petite gueule. On va se prendre un drive-by là. C'est possiblement juste moto qui est passé. Moto, moto, je sais quoi. Prends sur moi. 10 000. Prends 10 800. Oula, ça pue là. S'il repasse, un drive-by. Ça va rentrer chaud, je serais plus rassuré. Moi, je reste dehors, je suis un rageux. Ah, mais je reste dehors, je suis un affût. Là, par contre, si on reste tous ici, là, vous êtes en train de faire capoter le plan machiavélique. Ouais, du coup. Ah, oui, il faut qu'il y ait des cousins qui vont faire l'honneur là-bas. Oui. Je vais faire la part. C'est quoi ça le truc? Regarde, en fait. Ça va péter! Oh, c'est la merde! Deux fois que. Oh, la moto elle repasse! Vas-y, on bosse, on bosse! Mais la moto elle va repasser, mettez-vous. Reste à l'intérieur, ça va peut-être péter! Bien, reste à l'intérieur, Microsoft! Tu commandais à qui les bouts de métaux? Là ça pue, là ça pue. La moto, trois fois qu'elle passe, ça pue. Et si moi je me mettais là? Oh, elle arrive la moto. Genre là. Genre là, personne sait que je suis là. Oh, la cachette de légende que j'ai. La moto elle est là, à gauche. Oh, ça pue. Sors mon arme. Sans trop. Faites le tour, ça va les baiser. Barrez-vous, Tinatown, on tire. Non, tu tires pas.
Barrez-vous, barrez-vous. Cassez-vous. Remontez dans les bagages. C'est maintenant. Alors, bande de petites salopes maintenant. Maintenant, tu vas faire quoi? Barrez-vous, ça va vous fumer, barrez-vous. Tu veux tirer? Attirez pas les cousins, attirez pas les cousins. Baisse les armes. Tout le monde baisse les armes. Tout le monde baisse les armes, ça sert à rien. Et les mecs, baissez vos armes, on baisse nos armes. Ça va partir en bonne sens. Il y a des cops qui arrivent. Oui, mais c'est pour ça, baissez vos armes, on baisse nos armes. Et je pense qu'on va passer un petit coup de fil avant que ça dégénère. T'as voulu faire quoi là, René? T'as voulu faire quoi? Mais rangez vos armes. Le but n'est pas d'aller en prison. T'as voulu faire quoi là? Et les cousins, rangez vos armes. Rangez vos armes, il y a la police pas loin. On va parler. Ouais, on vous recontacte dans la soirée, on va discuter. C'est la guerre. Vous essayez de faire quoi là? Putain, ça vient masquer ça, c'est même pas. Rentrez-vous, même ça vous allez rentrer. Rentrez, pars vite de Jonathan. Rentrez-vous les cousins, tranquille. Vas-y, c'est pour. Tire-toi mon pote. On va passer un coup de fil, René, on va s'appeler. On va s'appeler, on va parler. Commencez pas à crier aussi parce que. Allez, recule, toi. Dégage de mon quartier, toi, casse-toi. Attends, mais il est en train de me faire le pop smoke là. Arrêtez. Posez les cousins. Il fait quoi? Remonte en voiture. Tu fais quoi? Remonte en voiture. Tirez-vous, vous a dit quoi? Doucement, ils vont partir, calmez-vous, ils vont partir. Allez, venez. Faut pas que ça pète ici à Sinato, les mecs. Tu as raison. Là, si on réagissait pas, on se faisait baiser. Non, on a bien fait, mais fallait pas que ça tire chez nous. Si la police va venir, c'est la merde. C'est où. T'inquiète, on va faire rendez-vous. Faites gaffe. Oh, ce soir, c'est la guerre. Ce soir, c'est la guerre. Oh là là, il est où, Fouel? Non, le but, c'est pas que ça tire. Ça tire, c'est bon. Vous êtes pas complet là. Par contre, yo, prenez le scorpion et ils vous foutent l'auto. Mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais je sais pas, moi, je le connais pas, ce mec là. Écoutez les mecs, écoutez. Il nous fait un popo. Il est rentré, fait un popo. Viens voir. Attends, mais là, il faut que. On vient voir avec moi, viens voir. Fait un popo, tu veux pas donner. Je pense que ça va tirer, hein. Tu veux pas donner un P5 à You? Mets l'AirPod en bas dans 2 secondes. Oh, dinguerie! Et tu veux un P5 à You? Ouais. Là, c'est la guerre, je veux dire à You. Attends, oh, c'est la guerre! Alors, est-ce que tout le monde va. Ayou, bien sûr, ouais. T'as été upgrade, va chercher un P5. Oh le poids! C'est quoi le plan là? Ah, le plan c'est là, on va faire un rendez-vous. Mais... Avec eux? Non, avec un autre groupe, mais ce groupe il peut nous faire ce qu'il a fait pour nous. En gros, vas-y. Hier. Ah, moi j'ai voilà, garde un P5. Mais je reste avec toi. Bah viens, on va en haut là-bas à côté là. Attends, ah, c'est bon, n'en dis pas plus, je te suis beau gosse. Moi je vais avec lui, moi. Eh, moi je vais avec lui, hein. Un P5, t'es mon daou, moi. Voilà, la prochaine. Je vous cache pas, être là, c'est compliqué. Hein. Macrosso, c'est ton garde du corps. C'est ton ombre. Normalement, c'est Bao, mais là, vous serez deux. Ok, c'est plus ton ombre, t'es ma renier. De quoi? Ah, tu sais, c'est qui au téléphone? Non, du tout, c'est qui? Ah, c'est Yao! Ah, ouais, bah dis-moi, Yao, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous avez voulu nous attaquer, vous êtes morts! Ah, ouais, on est morts! Ah, oui! Très bien! Et c'est quand la position du rendez-vous là? Parce qu'on a. Ah, oui, la position, il va t'envoyer, Feng Popo! Feng Popo, j'ai pas son numéro, ma gueule! T'inquiète, nous on a ton numéro, on va te retrouver, Zafar, on va te retrouver! C'est très bien, mon gars, très bien! Vous avez voulu nous faire? Je vais vous niquer vos mères les putes, bande de fils de pute, lâchez à vos morts. Il a raccroché, hein. La tête ma mère, je vais frapper ta mère, fils de pute, va. Quoi? Tu vas tuer Néo? Je vais tuer ta mère, fils de pute, nique tes morts. Quelqu'un, il a un pistolet sur lui ou pas? Un pistolet normal. Vous avez vu le mec comment parle à l'ennemi? Bah, moi, c'est le mien, oui. Il a voulu tenter un bail. Moi, j'ai une info, là. Apparemment, il cherche encore mon cul ce soir, là. Oh, ouais. Apparemment, ouais. On va devoir juste t'inquiète, Sakan, on va s'occuper des siens. J'ai eu une info, apparemment il a parlé avec un Lost cet après-midi. Et avec un Lost. Le Lost, il me l'a dit. Lost. Ouais, fais gaffe, il y a Rony qui veut. Contre groupe à Rony, contre nous. Ayou. Prends ton arme en main et va où il y a le rendez-vous. Pour m'attraper sans. On va leur mettre la pression.
Non, c'était pas Nio. Faut de grandes chances pour gagner une guerre. passe-moi la, s'il te plaît, je la mets dans les mains, s'il te plaît, vite. Yao, tu me la rends, hein. La vie de ma main, tu me la rends, tu la gardes pas, hein. T'inquiète, je te la rends juste après. Faut de grandes chances pour gagner une guerre, les frères. La tête de ma mère, tu m'as fait bander. C'est quoi ce délire? C'est la guerre. Attends, Yao, mets le truc dans la scène, s'il te plaît. Attends, je vais la donner à ma crise. De toute façon, rends hommage. Je vais te donner une information. Non, commence pas. On va ramener une surprise. Inaka. C'est-à-dire, tout son matériel là, tout son matos qu'il revend. Ouais, ça vient d'un envoyeur. Et ça, je vais te donner l'information, mais garde-la pour toi pour le moment. Parce qu'il y a que moi qui le sais. Ça, c'est la guerre. Les personnes qui leur vendent. La première AK du serveur, elle est là, les frères. Et c'est après eux qui vendent. Attends, mais c'est quoi la marche qu'ils se font Je sais pas du tout. AK, MP5, en tout cas, c'est sûr que ça provient des Lost. C'est quoi cette histoire là? Oh là là. Bon, c'est bon savoir, Ghost. C'est quoi l'histoire? C'est le, en fait, c'est le chef de chez eux qui me l'a dit tout à l'heure là. Après, il faut faire un truc là, Yao. Oui, je vous ai dit, venez avec. Faut faire attention aux falsifications, hein. Ah ouais. Là, c'est la guerre. Pas très faillible à ce prix-là. Un P5 AK. Mais c'est pas du la première. Sachez comprendre le loss qu'il était pas. Faut juste quelque chose. Y a que nous, on a le labo pour les AK. Une bonne entente. Et ils seraient même capables de tout leur couper. Voilà. Ouais. Voilà, c'est parce que moi, il m'a dit comme quoi que il voulait ce soir voir, je sais pas, il m'a parlé, tu vois. Et il m'a fait comprendre. C'était comme le Mike là? Ouais, Mike, c'est ça, ouais. Bah écoute, il a mon numéro, s'il a besoin de me contacter, si on me trouve. Hein. Et voilà, apparemment, voilà. Et. Parce que il y a un truc de fou qui s'est passé, tu vois. C'est que chez moi, tu vois, il y a un mec qui a été blessé hier. Et ouais. Le mec en question, il a sa demi-sœur, elle est de leur équipe Aroni. Et c'est qui sa demi-sœur? C'est comment elle s'appelle, les man? Je me rappelle même plus son... Jane. Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? Qui a une demi-sœur? Un de mes quatre chez moi, il a une demi-sœur qui est... Animation pour sortir là, mais c'est déjà? Ah ouais, ah ok. Il l'a passé? Comment? Il a des bons contacts avec? J'ai cru que il a des bons contacts avec, mais... C'est qui, Jane? Comment? Ils ont jamais la guerre ce soir, les frères. Un P5 AK, c'est vraiment la guerre, là. Il est dans des histoires louches. Il sait qu'elle est là-dedans. Et voilà. Ça, c'est une oreille qui peut être placée là-bas et qui peut nous servir à tout moment. Yo, viens voir. Ça arrive. Tu fais le mec énervé ou pas? Ah, pour savoir, monsieur. Il est là. Le demi-frère, il est à l'hôpital. Il est encore blessé. Encore à l'hôpital. C'est leur sacré. Ouais, ouais. Il est entre la vie et la mort, apparemment. Là, il est entre la vie et la mort et. Là, il est sorti du coma artificiel. Il est encore penché. Oui, il s'est dit, moi, de donner la macrosse. On dit. Ah, incroyable. Sa mère. On prie tout. C'est la guerre, enfoiré. Un P100 caca. Regarde là, mes yeux sortaient là pour que ça mette pression quoi. J'ai un scorpion là, sûrement en plus là. Attends, mais il faut faire combien? Ah, ils ont craft un scorpion? J'ai cru que j'avais pris un scorpion, j'allais dire. Si j'ai... Mais y'a pas de balles. Hein. Des balles, des armes, des automatiques, tout va, ça a craft 8000 trucs. Pour la guerre. C'est que dans ce pays. Scorpion. Ok, c'est carré. Ça marche, y'a pas de problème, c'est lourd. Il te faut des balles, non? Ou t'en as? Ah non, vous avez pas gagné ça, mais c'est mon pistolet. Non, c'est ça, c'est parce que. Ouais, y'a pas de soucis, demain, de toute façon, il va rester. On l'a fait, on l'a fait. Carré, passez une bonne soirée. Elle rentre bien. C'est méga, c'est bonne soirée. Plaisir. Bonne soirée. Nihao. Au revoir. Elle est fraîche, t'as dit? Ouais, ma mère est fraîche ce soir. Elle a pas ton âge. Et alors? Arrête de l'eau. Ah, y'a des limites quand même, oncle Wuggy. Regarde la porte comme ça, nous. Allez-y, on les connaît. Oh, ici, ça part en couille, c'est stylé. C'est bien ici. Vas-y, voir le scorpion, ma petite gueule. Pourquoi tu peux voir la voiture? Je me rappelle un peu que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Par contre, moi, l'MP5, c'est quelqu'un qui m'a pris d'ici. Non, t'inquiète, ça calme. Un P5, ça fait le taf. Mon pote. Ça tire. Mets-toi visible. Voilà, tu restes ici, tranquille. Le problème, c'est que s'ils mettent des mecs derrière toi, vas-y, moi, je veux la MP5. Vous inquiétez pas, viens avec nous, yo. Vas-y, va devant, montre-leur un P5. Ouais, tout le monde veut être à côté d'un MP5. Ça va, quoi, les gars? Ça va? Maître Chou? Ronnie, pour toi. Bon, Maître Chou.
Ouais, j'ai en face de lui. Ça va tranquillement? Ouais, écoutez. Bon, j'aurais aimé vous voir dans d'autres circonstances, maître Chou. Ouais, c'est sûr. D'accord. Mais je crois qu'il y a certains conflits ces temps-ci entre nous. Bon, moi je viens de les apprendre, je les ai appris hier nos conflits. J'avais pas enlevé le chat, arrêtez les modos, mettez rien, s'il vous plaît, mettez rien. Après moi. Et après laissez moi, les gens s'exprimer, frère. C'est bien, on va pouvoir discuter, voir les points de vue et, et voir un peu ce qui peut être fait ou pas fait. Après, vous l'avez appris hier, pourtant il me semble que ça fait déjà quelques jours que vous avez essayé d'attraper mon cousin, si je me semble, il me semble bien. Hein? Ouais. Qui ça? La petite altercation qu'on a eue à Flatfish Place, rappelez-vous, il y a de ça une semaine. Ah, vous l'avez vraiment pas pris comme une... En soi, j'aurais aimé que ça se passe dans une autre situation, mais c'est pas ça qui a mis le feu aux poudres en soi. Oh, ça va passer en couille. Regardez comment ils se placent les deux là-bas. Après ce qu'on m'a expliqué, c'est quoi? C'est Yo, c'est que tu m'as dit, c'est les tarifs de la coque qui vous... Ah ouais, ça, ça vient encore en rajouter, effectivement. Oh là là. Aladdin. Aladdin, c'est ton rayon, ça, c'est pas mon rayon, ça. Attends, y a... J'écoute. Deux Uzi, il y a deux Uzi, et après des pistolets, je sais pas si c'est des Colt, des Beretta, des Glock. D'après ce que j'ai compris, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ta démarche agressive au niveau des prix. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Développez. Je suis tout ouïe. Pour vous, les tarifs que vous pratiquez, ils sont normaux? Bah, dites-moi directement où se situe le problème, histoire qu'on le règle. Un tarif à 3005 pour 6 plaquettes ou 5 plaquettes, je sais même plus. C'est casser les prix du marché, ma petite gueule. Donc apparemment, c'est toi pas le problème, là. C'est que t'as jamais fait de commerce de ta vie. Écoutez... Tarif sur un business, avec des tarifs qui sont beaucoup plus faibles que les prix de départ habituels. Et tu t'étonnes, maintenant? Moi, j'ai cru comprendre que vous laissez très légèrement plus cher, hein. Très légèrement plus cher, c'est-à-dire? Bah, venez pas me dire que vous les faites pas à 4000. Plaquettes à 3005. Oui, 4000. Venez pas me dire que vous les faites maintenant, pas à 4000. Ouais. Et tes pétards à 7000. C'est quoi ça, on en parle? Je sais pas qui c'est qui vous a parlé de pétards à 7000, mais... Là, faut peut-être revoir vos infos. Déjà, on va revenir sur les plaquettes plus chères que qui? On les fait plus chères que qui? Que nous. Que vous. Nous, on a AK, oui, MP5, les frères. Là, sur la scène, il y a AK, MP5, de l'autre côté, de l'autre côté. J'ai vu deux usines, je sais pas ça plus. On est là, la balle sur qui commence. Si, il a les balles, il a les balles, une rêve. Vous dites que nous, on laisse... Ce qui veut dire, c'est qu'on a des partenaires depuis un certain temps. Ils n'ont pas eu ce, même ce toujours tarif un plaisir, qui est au-dessus mon de vous, ils l'ont pas eu au début. Contracté, peau légèrement mat, biceps contracté, peau légèrement mat. Voilà, et si on est à ce prix-là, c'est peut-être pour qu'à l'avenir, ça puisse descendre. Mais en aucun cas, c'est à vous de décider seul les prix du marché. Il y a des cousins un peu partout. Je décide pas les prix du marché, je décide les prix de mon marché. En fait, pour expliquer un peu la chose, vous êtes en conflit avec énormément de personnes. Ça veut dire que vous avez été mis en conflit avec énormément de gangs, etc. Pour vous expliquer, nous, on a récupéré, on a des personnes que vous ne servez pas. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre. Et nous, on a besoin de se créer une clientèle. Donc, on arrive avec une démarche assez agressive, surtout qu'on n'a pas eu le temps de se communiquer avec vous. Et que moi, d'après les échos, je ne voulais pas parler avec vous parce que vous avez décidé que j'étais votre ennemi sans même en discuter avec moi. Mais je comprends pas ce que je veux dire. La démarche de Kuma. Même que j'étais votre ennemi parce que mais parce que on a pas, quand, quand on fait une guerre à quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller le voir pour lui dire bonjour, on fait la guerre. Je suis le petit Jason, c'est ça? Je suis le petit Jason. On te parle, Yao. Ah oui, moi je parle pas avec eux. Ah ouais, ouais, ce qu'il voulait dire sûrement, c'est que oui, vous êtes un associé de Jason. Je suis pas un associé, je suis en business avec Jason. Je suis pas un associé du tout. Ah, j'appelle pas ça être en business, s'occuper. Moi, je leur vois pas, c'est... S'occuper de ses affaires. Je touche, moi, les business quand je suis arrivé. Je suis pas arrivé avec de la coque et des armes dans les mains. Je suis arrivé, il a fallu que je fasse mon trou, il a fallu que je me fasse de l'oseille. J'ai trouvé un petit business rentable. C'était de faire passer des matières par des entreprises. Je vous ai même, vous, permis de faire des grosses transactions avec ce business-là. Hein? On est d'accord sur ça. Quand j'essaie de trouver des idées pour essayer de vous faire entrer certaines matières pour que vous puissiez vous pavaner maintenant devant moi avec toutes les armes que vous avez maintenant devant moi. Hein? On va nous dire que sans toi, on n'y serait jamais arrivé. Mais on va dire que j'ai facilité les choses en ville. Et vous le savez très bien. Tout ce que vous... Vous savez, je vais vous rappeler. Ça fait combien de temps qu'on a pas... Vous payez votre abonnement du mois dernier.
Ah oui, Fiskin, oula. Madame, on peut s'arranger parce que, en fait, j'ai découvert sur mon compte. Souhaitez toujours recevoir du contenu. Code TIT AS BBC. Payez les modalités dans les plus brefs délais. Madame, je vais payer plus tard, là, j'ai découvert sa grand-mère. Très bien, nous vous rappelons plus tard dans la semaine les modalités de votre abonnement. Oui, merci. D'agréable soirée. Merci, au revoir. Big eyes, baby, c'est hein. Et puis, il n'y a personne qui parle, l'attention elle est palpable. Okay. Il fait froid ici, hein. Il fait froid, hein. Je sais pas, mais une veste. Il fait plutôt froid, hein. Mais une veste, t'as froid, ma gueule. Non, deux ici. Il fait frisquant ici. Vous avez un problème, mais... vous voulez qu'on vous, on vous réchauffe, hein? Ouais, je veux bien, moi. T'es en t-shirt aussi, un petit peu ton ah sang oui, là, tout chaud là. On a le sang chaud. Ah, c'est le sang chaud. Bah écoute. Tranquille alors. Et vas-y, ça part en couille à cause de nous ici. Et là, regarde pas comme ça, je te fume. Oula. T'as compris? T'es malade toi. Regarde pas comme ça, je te fume. Tu menaces qui, mon pote? Ah merde. T'as pas eu peur. Vas-y, la sécu, tu peux décaler, frérot. Ça met de la ville, oui. C'est mon arme de guerre. Ok, frérot. Oui, c'est mon arme de guerre. Un de vous qui bouge et vous envoie en enfer. De quoi le ref? Ah, y'a trop. Comment? Flop, mais aucun flop, moi je rigole avec eux. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vous êtes bourrés, les amis. Y'en a pas un seul qui est drôle, je sais pas, vous êtes tous cringe. On est tous cringe, mais hier quand t'es pleuré contre le mur, quand c'était braqué, on était pas cringe. Aïe. Ah, tu m'as braqué, toi? V12 et on a mis la misère de croisifle. Ah, t'es chaud, mon ref. Ah, t'es chaud, mon ref. Tu me fais peur, là. Je vois une... T'es un vaillant. Un mec rempli de splendeur, rempli de... Tu vois. Merci, Sakal. Imagine... Dégage quelque chose. La fureur du dragon. À deux, je sais pas pourquoi vous étiez... Énervés, franchement, vous auriez pu être tout seul et je pense que vous nous aurez baisé, hein. Cringe, c'est calme, RP, ok. C'est qui, il a dit cringe? Quatre d'entre vous. T'as dit quoi? C'est qui, il a dit cringe d'entre vous. Ok, c'est bon, merci, Fringe. J'ai le go. Qui a dit quoi? Il a dit quoi? C'est lui qui a dit cringe. Cringe? Ah oui? Ouais, c'est moi, pro. Viens avec moi, toi. Oulala, là là, attention, battle de regard. Ah, c'est toi, frère. Ah, c'est toi, petit frère. Oh non, c'est bon, je le braque pas, c'est bon, t'as juste pris la honte. Non, rien. Je m'avais pour ça, là. J'ai pris la honte à cause. Non, rien, monsieur, oh. En fait, rien. Il est bourré, votre collègue, hein. Je crois qu'ils sont tous bourrés un peu, tu vois. Ah oui, on a pris un peu l'alcool avant de venir vous voir au cas où. Mmh. Au cas où? Au cas où quoi? Sous saqué. Au cas où vous étiez trop fort. Ah oui. Au cas où vous avez bien difficulté. Non, je comprends. Pour réduire un peu notre puissance. Comme ça, si on est alcoolisé, peut-être vous avez des sens. Ah, tu rigoles, mais à tout moment là, on te pousse, tu tombes dans l'eau. On te pousse, tu tombes dans l'eau, on te noie. Il est tombé tout seul, il a pas besoin qu'on le pousse. À tout moment là, hop. Les gars. Oh, doucement. Oh non, Niu qui vient me défendre là, honte. Arrête, Niu qui vient me défendre, honte. Regardez, oh non. Putain, chasser, tu vas voir. Yo, arrête de te laisser faire là. Une manchette. Laisse pas faire, Zaton, de les attraper un par un. Une manchette, tu vas prendre. En fait, il attend qu'on le pousse pour qu'il nous prenne par le col et qu'on tombe avec lui. Eh ouais. C'est peut-être ça, hein. Il est dans smart. Après, vu ses bras, je pense que c'est un gros cerveau, frérot, tu connais. Gros crâne, surtout. C'est de la cervelle là-dedans. Des plans machiavéliques. Et dire qu'on fait la guerre comme ça. C'est pour ce que vous pouvez faire et si vous pouvez vous mettre d'accord. Mais c'est pas qu'on gère les prix, y'a personne qui gère les prix, c'est les prix de marché. C'est les lois des stupéfiants, y'a personne qui décide. La tenue du FC. Les prix du marché. Ils sont un prix par rapport au revenu. Mais il fluctue aussi. Tu dois avoir un gain qui doit être par rapport à ce que tu engages. Les fixes, ça s'arrête là. Oui, ils les fixent. Et en soi, il n'y a pas de concurrence déloyale. Généralement, quand on arrive sur un secteur, on se renseigne à la concurrence des prix. On s'introduit poliment. Ça, en aucun cas, ça a été fait. En plus, comme vous le disiez, Ronnie, apparemment, on vous devait de l'argent à vous. Je l'ignorais, mais pour moi, c'est à Jason. Vous n'avez pas essayé de nous contacter non plus. Le truc, c'est que quand moi je livre quelque chose, je prends un pourcentage dessus. Donc même si vous faites plus en business avec Jason, ça veut dire que moi j'ai pas mon pourcentage alors que j'ai fait en sorte de vous fournir et de vous. Ah ouais, mais il fallait pas travailler avec ce genre de personnes. Mais j'ai travaillé avec tout le monde en ville. Je m'en fous de la nature des relations avec chacun. Travailler avec tout le monde, c'est travailler avec personne. Exactement, nous c'est tout le contraire. Ouais, on choisit les gens avec qui on travaille pour ce qu'ils représentent.
Je suis sur le modèle capitaliste américain, monsieur. Ah ouais, mais non. Ouais, ça va être une base de capitalisme. Ouais, bah, le problème, c'est que vous aussi, vous avez travaillé avec des balances, non? Alors, vous les avez... C'est bien, c'est cool, vous les avez fumées depuis. Mais bon, d'ailleurs, on va parler d'un certain truc. Hein, vous nous avez introduit deux cops. Oh. Business. Hein? Oui. Pardon. Vous avez... Ah ben, ça parle beaucoup dans la rue, hein. Ouais, bah, on sait ce que les blablas de la rue... Vas-y, développe. Ah oui, parce que tu n'es pas encore en même développé. Ah, 54, tu l'as pas introduit, vous l'avez pas introduit dans la rue, dans le business. Introduit dans le business, donc... Oui, oh, tu te trompes. Développe. Vous l'avez clairement introduit, vous l'avez fait, d'après ce que j'ai compris, vous l'avez fait buter quelqu'un. Très bien, c'est bien, ouais, bravo. Mais le mec, d'après ce que j'ai compris, il est toujours pas mort. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est toujours pas mort, ce mec. Il tourne avec l'information des personnes. En quoi il est introduit dans le business, le mec? Il est introduit. Tu penses vraiment, Ronnie? Attends, il est pas introduit. De qui vient la mort de Tuerto? Il connaît toutes les informations. Il connaît les vendeurs. D'après ce que j'ai compris. Déjà, la mort de cette personne, elle vient d'elle-même, de sa grande bouche. Mais c'est très bien. Mais par contre, deux cops. Je sais pas en fait pourquoi deux cops. Parce qu'on n'a jamais parlé de deux flics, nous. Peut-être 54, tout le monde le sait peut-être, mais pourquoi deux flics? Il n'a jamais eu une seule information sur quiconque est sorti de notre bouche. C'est pour ça que je vous dis que dommage qu'on n'ait pas pu parler avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de commérages sur les relations que vous avez avec cette personne. Beaucoup de commérages sur les relations que vous avez avec d'autres personnes. Hein, au niveau des forces de l'ordre. Vas-y, développez, parce qu'on n'est pas encore en nous-mêmes. Je vais pas tout développer, mais vous savez très bien de quoi je veux parler. C'est en train de vouloir nous donner une étiquette de personnes qui collaborent avec la police et de nous faire croire que c'est le mot qui se fait passer dans la rue. Mais un peu quand même, parce que moi, personnellement, je suis ami... C'est pas parce que tu es... En plus, c'est pas parce que tu es pas capable de tenir des policiers en laisse. Comment ça veut dire que nous, on parle avec eux. Ah, mais vous, c'est ça le problème. Ils empêchent justement de nuire. C'est ça le problème, c'est que moi, j'ai pas besoin de tenir les policiers en laisse. Je tiens la justice en laisse et le maire en laisse. Donc, j'ai pas besoin de tenir les policiers mais en laisse. Mais nous avons un grand bandit devant nous. Ah ouais. Exactement. Ouais, et puis chacun ses méthodes. Mais si vous pensez que des informations fuient de notre part, vous vous trompez, René. Ah, mais le problème, c'est que pourquoi il est pas mort encore? Est-ce que ça te regarde cette... Mais je comprends pas, t'es notre femme? Mais c'est quoi cette rhétorique que t'as, Yao? Ah, mais je comprends pas! T'as un QI. Mais c'est toi, t'as un QI négatif! Je comprends pas! Mec. Moi, je comprends pas ta démarche. Mais c'est toi, je comprends pas ta démarche, c'était bizarre! Je pose des questions sur le business à nous. Et du coup, moi. D'accord, ça veut dire. Je peux te retourner une question. Mais ça veut dire que moi, vous me dites. Mais c'est chelou, ces questions! Je fais du business avec des personnes louches. Moi, je dis que vous avez un keuf qui vous avez fait tuer quelqu'un par un keuf, qu'il est toujours vivant, qu'il a des informations sur vous, qui peuvent donner suite à avoir des informations sur d'autres personnes. Au final, ça a chuté. Au final, ça a chuté. Moi, je pense que c'est. En fait, c'est des démarches, elles sont cheloues. Je comprends pas le rapport. Pourquoi? Parce que les personnes qui t'ont donné cette information, c'est ceux qui te fournissent tes armes. Ça doit bien les savoir. Ça doit bien les faire chier, savoir qu'il y a un flic qui a tué un. Et c'est comme ça que c'est parti en couille. C'est simplement pour ça que tu me poses cette question, parce qu'en aucun cas, ça peut te mettre dans la merde dans ton business. Ça peut pas mettre dans la merde. Est-ce que je me trompe? Qui t'a donné cette information? C'est des nôtres qui fournissent les armes. Mais ça parle dans la rue, mais t'es bête ou quoi? Même Tuerto était au courant. Même Tuerto était au courant. Mais Tuerto m'a tout dit. Il est au courant qu'on travaille avec 54. Mais Tuerto. C'est lui qui nous a poucave auprès. Ça, on n'en doute pas qu'il t'a tout dire. Tu crois avoir des excellentes informations? Il y a plein d'eux dans ta tête, mon pote. Pour dénouer, et après, on revient nous voir. Arrête, je veux faire partir le GM, je veux faire genre j'ai mis clic, arrête. Vous dominez tout, les gars. C'est pas une question de dominance. Là, c'est clairement ce que vous laissez sous-entendre. C'est que vous dominez la situation et que cette personne, même si elle est vivante, avec des informations, que ce soit sur vous, même sur vous, sur les autres, même sur les Lost, et sur des. Ça veut dire même possiblement sur d'autres personnes, parce qu'elle a été introduite et elle connaît plusieurs personnes. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est censée avoir comme information? Attends, mais là si du coup, quand je suis en mode comme ça, je tire où? C'est bizarre, c'est bizarre parce que... Quand je tire comme ça, suite à cette série, et lui, mon visage. Les gars, combien de fois 54 a essayé de s'introduire dans le Chimera, alors que personnellement, je n'ai jamais eu aucun contact avec lui. D'essayer d'aller fouiller, c'est trop bien comme ça la tête de ma mère. D'essayer de voir qu'est-ce que je foutais. Oh, c'est trop bien comme photos, ça. Nous suivre. Combien de fois? Comme tu le dis, tu travailles avec tout le monde. Par exemple, ce nom-là, Chimera, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Ah bon? C'est une boîte de nuit, c'est normal. C'est une boîte de nuit, c'est le plan. Je l'ai pas entendu. On vous a rarement vu là-bas. Je suis un peu déçu. C'est ce que je veux dire. Je connaissais même pas, je l'ai entendu de plein de bouches. Et pas parce que le DJ était bon.
ou pas pour de la musique. C'est dommage. Et je vous jure que la musique je comprends pas ta démarche, moi, je te mens pas. Si, jamais ça va. Ah non, 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 je pas c'est autorisé la première personne. Ben oui, parce que c'est la même personne que vous avez introduit dans le business se retrouve sur mes business à moi. Arrête de nous dire qu'on l'a introduit. Tu me racontes, on l'a introduit de quoi? C'est votre point de vue à vous. C'est votre point de vue à vous. Et ça, c'est ton point de vue à toi? Tu me parles. Exactement. C'est pour ça qu'on est sur. On en dit. Vous savez quoi? On en dissonance sur ça. On est en dissonance sur ça. Passons à un autre sujet. Ça veut dire que là, le problème, c'est que vous parlez, vous m'avez attaqué hier, on est d'accord. Vous m'avez volé de la cam, on est d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. À toi de me le dire, t'as plein de solutions, t'as plein de choses qui pourraient être intéressantes, je sais pas, non. T'as l'air d'être quelqu'un qui a plein d'idées, qui aime beaucoup parler. Propose quelque chose. Qu'est-ce que t'as pensé à quoi en venant ici? Ah là 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 là, on va peut-être trouver une tranche de prix, un secte, des secteurs de vente, des secteurs d'influence, quelque chose. C'est trop bien là, comme, de viser comme ça, c'est trop bien. Voilà, je sais pas. Je sais pas qui sont les personnes que vous fournissez. Viser comme ça, c'est trop bien, je trouve. Fournir, quel prix vous voulez faire pour que, s'il te plaît, yo. Excusez-moi. Yo. C'est surtout pas de pas faire en dessous de 4 000. On peut pas découvrir. Ouais, rien. Personne libre de faire à combien vous voulez. On est d'accord qu'on peut aller plus loin dans le business, ça veut dire. Au niveau du secteur. C'était fini pour vous pour le business. Attends, hein? C'était fini pour vous. Et bien sûr qu'à l'avenir, on va bien. De toute façon, il y a trop de bouches à nourrir dans cette vie pour que ce soit nous qui le fassions tout seul. Il y a les Wu qui tournent en bas de l'entrepôt. Ils vont rien faire, les Wu. Ils vont rien faire du tout. Ah là 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 là. Ils retiennent jamais les leçons, les Wu, c'est comment? Je sais pas, ils viennent de passer devant l'entrepôt. Ok, d'accord, après ça va être la CAF chez eux, on va voir. Devant ça? Ouais, devant là où on a garé nos voitures. Chez nous, donc là il manque de respect à notre propre rendez-vous là. Comment ça manque de respect à un rendez-vous? Elle est trop énervée, Kuma. Et Kuma, elle est trop énervée, envoie-lui des cœurs les frères. Envoyez plein de cœurs à Kuma, je crois, elle est énervée. S'ils étaient là, ils vont partir tout de suite. Manquer de respect, hein, rendez-vous parce que je passe devant. Donc je sais. Ah, il doit penser que. Vous savez il doit penser qu'on moi, j'ai bien on a préparé. Faire, premier pas. Merci beaucoup, Gomez. De m'aligner sur vos prix. D'accord? Et que votre prix soit le même que nous. Ça veut dire que. Il parle beaucoup, c'est normal qu'on parle beaucoup. C'est deux groupes qui rentrent en guerre ensemble. Bien sûr. Et il faut s'accorder sur certains trucs. C'est pour ça que je vous dis le minimum c'est 4000. Après, vous faites comme vous voulez. Nous, en général, on débute plus haut. On cherche pas à attirer le plus de gens possible. On cherche des gens sérieux. Après un petit moment, on descend au maximum. Il a raison de paniquer. Admettons, moi, je suis en guerre avec les H-Blocs. Les H-Blocs font que tourner devant le rendez-vous. C'est normal, je me dis wesh. Il est où? Faudrait que tu m'appelles devant. Qui sort à la dune? Appelle-moi. Il a raison de paniquer, les frères. Ça serait nous. Les H-Blocs, ils tournent. Alors qu'on est en guerre avec eux et que c'est eux nous l'envoyer. En panique. Enfin, pas en panique, mais c'est long. C'est bon, j'arrête de vous parler en fait. Mais bon. On va se dire que si on part sur ce truc-là, on aimerait bien récupérer la cam que vous nous avez pris hier. On va dire que ça sera pour le. Il arrive. Le petit trou qu'il y a eu sur les cargaisons qui sont parties, un prix inférieur. Mais moi, là, le problème, c'est que j'ai un manque à gagner sur l'acier compacté que vous m'avez pas rendu. L'argent que j'ai mis. Moi, j'ai pris un acier compacté et 70 aciers. Ah, ouais, c'est vrai qu'hier. Ah, mais toi, mais d'ailleurs, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai qu'hier t'es venu et tu nous as braqué toi aussi hier. Bien sûr. Et c'est quoi en fait, t'attends un rendu sur tout ce qui s'est passé près de toi jusqu'à aujourd'hui? Oui, exactement. Bah malheureusement ça c'est pas possible mon grand, je pense que tu t'en rends bien compte. Non mais je vais vous le dire, je veux bien faire un effort sur l'alignement des prix, maintenant vous allez me rendre ma com. Ah mais ça marche pas comme ça. Bah ça marche clairement comme ça. Je vois que là on va être dans un fossé, Ronnie, malheureusement. Je crois que là on va pas. Oh, ça va partir en couille. Là ça va partir en couille. Compliqué pour la suite. Attends, il est où le deuxième usine? Ce qui s'est passé, ça s'est pas passé pour rien. Ah, ça s'est pas passé pour rien. Ah non. Et l'attentat de la veille où vous avez fait essayer de faire péter des véhicules. Ça c'est pas nous. L'attentat de la veille. C'est pas nous, monsieur. Ouais, ouais. Ouais, ça, ça vient pas de nous. Ben, ça peut venir que de vous, j'ai aucun ennemi en ville à part vous. Écoute, je vais pas te dire, je comprends ta démarche, mais là on est là pour soit on trouve un accord. Comment il peut dire c'est nous? Attends, mais t'es même pas en guerre. C'est attentat parce que là vraiment, là, on va dire que un jour avant votre attaque, ça veut dire que les seules personnes qui avaient possiblement de la rancœur auprès de moi et qui m'ont attaqué ces derniers temps, c'est vous. Un jour avant votre attaque, au Cranberry, il y a une personne qui est venue avec de l'essence. À brûler des véhicules, c'est pas moi, et à les frères, exploser non, certains véhicules de mes clients. C'est pas moi les frères. Ça vient pas de et avec une personne armée
et une personne qui peut s'attaquer à moi pour qui peut s'attaquer à moi pour rien. Frères. Je vois que vous. En vrai, écoutez, on se serait pas pris à vous. Vous l'avez vu moi, cette personne. C'est pas moi, c'est pas moi. Moto, c'était quoi la description déjà? Je sais pas, mais on a des photos, on a des photos. Mais t'es casque. Je veux bien les photos. En tout cas, si on dit que ça vient pas de nous, c'est que ça vient pas de nous. C'est pas moi les frères, non, c'est pas ce que vous pensez. C'est toujours ce qu'on fait. Merde. C'est clairement moi. En plus, pourquoi s'en prendre en retard de vos clairs? Parce que peut-être qu'ils pensaient que c'était les nôtres. Mais bon, la personne a bien tiré plusieurs coups, a mis de l'essence et s'est barré, a tiré et a fait péter les véhicules. C'est pas cool ça, vraiment, c'est vraiment pas cool. Voitures, on n'est pas des clochards pour faire ça. Ah, surtout que moi, c'est mon business légal, vous voyez. Donc, attirer les cops sur mon business légal, c'est un peu comme si on voulait mettre dans la merde au niveau du business. Ok, désolé de vous couper, par contre, vous allez dire à vos gars de redescendre tout de suite. Où ça? Là, il monte. Celui qui est monté là-bas, justement. Je sais pas où il est, moi. Bon. C'est pas moi, c'est... vous savez que. Ouais, oh, à cause de cette scène, vous savez que c'est parti en couille. Parce que ça. En fait, moi, je savais pas, je pensais que les voitures, ils allaient les récupérer au mécano. Mais les voitures, si elles explosent in-game, c'est mort. Il y a juste un petit hic, un petit hic. C'est quoi? La démarche de venir pull-up tout le monde plutôt qu'un coup de fil, quoi. Ah, c'est vrai que on est venu s'en prendre directement encore, même une fois, utiliser un gang et venir s'en prendre à moi sur mon business légal encore une fois, ça veut dire encore possiblement appeler les keufs. Business légal, c'est vous qui vous permettez de faire vos transactions là-bas. Ah bien joué, un point pour nous. Ouais, mais non, parce que moi je fais mes transactions là-bas, c'était la première et c'est la première, bon possiblement la dernière, mais c'était la seule parce qu'on a des enchaînements de rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire. Je peux dire que moi j'ai beaucoup de travail. Voilà. Oui, on est là pour s'envoyer des petits pics et scraper le chignon. On est là pour. Vous allez raconter vos vies deux heures. Écoute-moi bien, Zizi, coin. Si t'es pas content, dis ta mère sur nos streams. Oui, frère, c'est pas du Counter Strike ici, frère. C'est du RP, frère. Tout à fait. Donc là, moi je vous le dis honnêtement, trouver un accord avec vous financier ou quoi que ce soit. Bien évidemment, ou même un autre accord sur la répartition de la cam ou quoi que ce soit, éventuellement. Mais, la redis, c'est comment par rapport à ce qu'ils nous ont pris? T'as mangé quoi ce soir? Félix, j'ai rien mangé, voilà, j'ai rien mangé, j'ai bu une Red Bull et je bois de l'eau. Et merci pour tout. C'est ça, sinon c'est compliqué de garder un accord. Moi, je veux bien faire un pas vers vous, bien entendu, en rehaussant nos prix, en s'accordant sur les vôtres. Et en marchant sur un système comme celui-là, ou comme je vous ai dit, en se répartissant le marché, vous occupez d'un tel secteur ou d'un autre secteur, et on trouve un arrangement comme ça. Mais honnêtement, ça va être très très compliqué de convenir à un accord si vous gardez en votre possession ce que vous nous avez volé. Et en plus, on a aussi le problème sur le prix des calibres. Non mais les calibres on en a pas vendu. Non mais les calibres, c'est des informations erronées, c'est-à-dire que j'ai jamais vendu de calibre. Vous avez qu'à démarcher tous les groupes que vous voulez, c'est à qui on a vendu un calibre, personne vous dira eux, ils ont vendu un calibre. Vous doutez bien qu'on ne l'a pas inventé. Hier quand j'ai braqué Ronnie, je l'ai interrogé, il a dit oui, il se peut qu'on peut vendre un ou deux calibres. Donc ça t'arrive. Ah oui, bien sûr, c'est de notre stock personnel. C'est mais notre jamais stock de la vie, personnel, ce mais sera ouais, enfin, c'était pour en revenir à ce que vous dites tout à l'heure. Vous voyez les ragots de la rue, bah c'est pareil. Sans seul, tu mets une tête à Ronnie, vas-y. On n'est pas venu vous voir là, on ne peut pas vous dire un chiffre. Après je suis bon, après je vais jouer. Bien sûr, de toute façon, je suis pas là à nier les faits. Oula, je fais la chaîne bombée. Pour vous dire, si c'est ici, c'est pas 7000, tout va bien. Parce que là, c'est pareil, ça devient vraiment quelque chose de banal. C'est pas quelque chose de banal. Ça aurait été quand même un peu le plus adapté. En fait, ce qui me gêne, c'est que je comprends pas pourquoi ils auraient voulu des choses. Un coup de fil avant qu'on les braque. Je suis un peu vieux. On n'est pas dans le légal. On va dire, tu vends ta drogue moins cher, mais c'est répercussions derrière ça que je comprends pas. Après, en voyant les suites, c'est le problème. On est dans l'illégal, tu vends ta drogue moins cher, ben je viens t'attraper et je te dis la vends pas cher. En fait, je pense à ce qui a été pris l'autre jour, ça va être compliqué de trouver un arrangement. Ben ça va clairement être facile de trouver un arrangement, vous avez juste à nous le remettre. Ah non. Ah, je crois pas. Rester bien au chaud à la maison. Ah, ça y est, ça part en couille. On va sortir d'ici sur un désaccord. On sortira d'ici sur un désaccord, mais je veux pas en parler pendant 1000 ans. Ce qui a été pris, ça a été pris. Maintenant, soit tu pars sur des nouveaux tarifs. Les personnes en face, les frères, c'est le groupe Aroni
Il y a Cheb Kouma, un streamer. Là, il y aura des problèmes. Et après, je sais pas s'il y a d'autres streamers. On les voilà, je connais pas très, côté, je connais pas très bien leur groupe. Mais en tout cas, les frères, donnez de la force à tout le monde. Okay, on est là pour s'amuser tous ensemble. Avec tout... Tant pis, hein. Oh. Bien, bien difficile alors, hein. Tant pis. Ouais, c'est bon, on s'arrête là, vas-y. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée.